Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de la VW Golf de 2014, donc la Golf R quoi. Alors je l'avais promis, hein, j'avais dit comme j'avais eu des soucis avec la précédente vidéo, je referai la vidéo, et ben chose promise, chose due, je la refais. Alors j'ai toujours pas trouvé d'informations concernant le moteur, faut pas me demander, j'ai toujours pas trouvé les informations. Donc voilà, je vais vous faire rapidement le tour. Alors vous allez me dire, ah ouais, toi t'aimes bien le bleu. Alors vous, vous voyez peut-être un peu mauve comme ça. Mais je peux vous assurer, c'est un bleu. Je comprends pas d'ailleurs que ça donne mauve à la caméra. Je crois que c'est parce qu'il y a un genre de soleil qui tape dessus. Et alors à la caméra, ça donne plus fort. Donc c'est le moteur TSI, je préfère le rappeler. On dirait vraiment la réalité en fait. Je rappelle, on peut mettre des lumières police. Je vais pas tout refaire le tour, mais je vais vite faire le tour coffre, moteur, voilà, parce que ça c'est des trucs assez importants, on va dire. Donc voilà. Alors le moteur, vous le connaissez, hein. Et c'est parti, on va les faire un tour. Alors la vidéo va être un peu plus courte puisque vous avez déjà eu l'occasion d'en avoir une, donc voilà. Alors je vais faire un petit stationnement, regardez, vous voyez la voiture là, et bien je vais stationner. Je serai... Non, ça n'ira pas derrière, enfin je crois pas. À moins peut-être en serrant. Non, ça a été, mais... Mais comme vous le voyez, c'est assez juste, mais la voiture n'est pas très grande, hein, donc je préfère le dire. Hein. Comme la voiture n'est pas très grande, ben voilà. Donc la voiture, je rappelle, elle pèse 1,476 tonnes. C'est à 221 kWh, 384 Nm et c'est un 2 litres. Voilà pour les informations moteur. Et évidemment, faut qu'un drive d'attard y arrive en face. Là, on va aller faire notre petit 0 à 100 sur l'autoroute, hein, comme d'habitude. Thank you.
Dès disent que je conduis très bien, ben voyez pourquoi. Je suis très bien axé dans le rond-point, vous voyez, je tourne pas beaucoup le volant. C'est juste question de bien la... aller tout doucement avec la... le joystick. Alors j'ai oublié, on doit faire le sur ça. Oh, excusez-moi. On peut pas dire ça. Prêt ? 3, 2, 1, 0. Oula les gars, j'ai plus de batterie de manette, j'ai oublié que je devais la mettre en charge. Je vais faire vite fait ça parce que moi je suis dans le noir en plus. Je fais tout tomber. Donc vous avez, c'est normal, vous avez la manette déconnectée. Je suis occupé de la reconnecter 2 minutes. Vous savez que moi, je ne coupe rien dans la vidéo puisque j'ai pas de logiciel de montage chez moi. Pour ceux-là qui se disent, ouais, c'est quoi ça, ils nous montrent ça, ben ouais, et alors vous savez, les gars, ils font pire que moi en qualité. Hein. Donc celui-là, il vient me reprocher ça. On n'a pas vu certains, je pense. Si jamais quelqu'un connaissait un logiciel de montage de vidéos facile à utiliser et surtout gratuit, je suis vraiment preneur, il peut me le dire. De toute façon, j'avais déjà parlé de ça dans la bande-annonce, mais apparemment, ça n'a toujours pas été entendu. Y a personne qui me met dans les commentaires marqué, au moins j'en connais pas, donc voilà quoi. Mais il doit être essentiellement gratuit. Je paye rien du tout en fait, parce que moi je reçois rien du tout. Donc je me dis t'étais juste derrière moi. Alors la VW Golf R 2014, elle tient vraiment bien la route, je trouve.
va pleuvoir, ça va être génial.